Coucou les papouteuses, coucou les papouteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis en mode vlog, donc aujourd'hui c'est une journée un peu particulière puisque je suis en vacances, je suis chez mes parents, 8h48, donc moi je me suis réveillée vers 7h, j'ai préparé le petit déjeuner pour mes parents, donc ils étaient super contents, moi aussi j'étais super contente. J'ai pris le mien après et là on est en mode chacun fait ses petites affaires, tout ça. Papa ? Voilà. Ok, voilà. Tu fais quoi, papa ? Tu fais quoi ? Et aujourd'hui, c'est ton... Voilà. Moi j'adou bout mwen pare pou ale. La vi nou te men kale komanse. Depi mwen save ou ka vire, jodi mwen ka vini foudou. Sa te man sa serye. Mwen yon voti ka. Coucou. Alors, là je suis en train de faire un montage vidéo. Voilà, je sais pas si vous voyez grand chose. Ouais. Et du coup, voilà, là je m'accorde un petit peu de temps pour moi. Ensuite, je dois lire un peu mes mails et un petit peu checker tout ça. Il est 10h, donc vers 11h30 midi, je vais aller rejoindre ma mère en cuisine. Parce qu'on va commencer à préparer le dîner pour l'anniversaire de mon père ce soir. Ça va, papa ? Tout va bien, ça va bien. Tout bien. Ça fait quoi d'avoir un an de plus ? Ah ben, on prend de la bouteille. Quand je dis de la bouteille, ça veut dire qu'on prend de l'âge. Ah, on se bonifie. Voilà. D'accord. Ok. Voilà. Tuto cuisine avec Mansa Pote. Voilà. Donc ma maman est en train de faire une très bonne. Je suis en train de faire. Oui, mais ça c'est normal en même temps. Ma mère est en train de faire une très bonne quiche. Parce que les quiches des mamans, c'est toujours les meilleures quiches. Mon papa. Donc, dans la famille Poum Poum Short, je vous présente ma maman. Poum Poum Short. Mon père a rangé son Poum Poum Short, il a mis un Bermuda. Il est très beau ton Bermuda, papa. C'est tout clair des niveaux. Bon, il y a... Ouais, je pense que là, je dois être à 2000 abonnés, peut-être. Il y a des gens qui ont 100 000, 200 000, tu vois, moi je suis loin. Hein. Ouais. Mais bon. Non, mais ça me va. C'est pas la quantité qui convient. Hein. C'est la qualité de la chose. Et puis tu es convaincu de ce que tu fais, ça rapporte à quelque chose. À toi et aux autres. Quoi. Ah, tu mets celui-là en bas, ouais. Et tu vas mettre les deux autres en haut. Ouais, en fait, c'est effectivement. Là, bon, là, il s'est mis. Quand on commence à spécialiser les quiches, voilà, ah. On va ouvrir un bar à quiche. Ah. On va ouvrir un bar à quiche. Et ça, c'est quoi ça, le gros fruguet là? Un jument. Donne ma parcelle et métier. Attention, ça c'est du giraumont bio, local, tout ce qu'on veut. Voilà. En fait, pour vous situer, le giraumont, c'est un cousin éloigné du potiron. Et donc aux Antilles, on le mange aussi bien sucré que salé. Donc là, vous avez un flan, c'est un dessert et on peut le manger en soupe, en gratin, etc. Voilà. Et nous, on va continuer notre préparation culinaire. Comme toute bonne famille antillaise qui reçoit, il y a plein de choses à manger. Et puis on va aller faire des courses tout à l'heure. Ah, ah, peut-être qu'on va filmer qu'on ira faire des courses. Je suis avec mon père. On est parti faire 2-3 courses. Bah, regarde. On voit ça. Ah. C'est quoi ? C'est des galettes ? Des galettes. On va m'acheter des galettes salées. Mmh. Et là, on vient d'aller acheter de la farine de manioc. Voilà, c'est comme ça qu'elle est la farine de manioc aux Antilles. D'ailleurs, c'est la farine de manioc et le tolomo, c'est la même plante? Non, non, non. Le
manioc. Le manioc, c'est tu mets au cul, quoi. Ouais. C'est plus... La manioc, c'est plus fine, c'est plus sec. Et le tolouma, c'est plus humide. Mais c'est pas le même légume ? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Je croyais que c'était le même légume. Bon, ben voilà. C'est pas... Moi, je croyais que c'était la même racine qu'on utilisait pour faire la farine de manioc et le tolomo, dit dictam en Guadeloupe. Dit tapioca. Manioc, c'est manioc, tolomo, c'est tolomo. C'est vrai, bien dit. Bien soufflé, c'est bouché, on est entre amis, happy birthday. La poisson pour la flore, chin, chin, happy birthday. Quand un cadeau traverse le club, tout le monde est debout et se lève. Okay. Bon, eh ben, la journée est finie, la soirée est finie. 4 heures de festivité pour tes 65 ans. Voilà. Alors, eh ben, je remercie aussi tout le monde, à toute ma petite famille, ma femme, mes deux enfants, tous mes frères et sœurs qui y étaient. Et puis, je leur dis encore merci. Et puis, j'espère encore être là l'année prochaine, pour mes 66 ans, si Dieu me garde de vie. Ouais. Et peut-être que je serai là aussi. Si j'espère, si Dieu veut. Puis voilà, je vous remercie tous. Et puis, un grand merci. Et puis voilà, et puis les papoteurs qui ont passé la journée avec nous aussi. Voilà. Ouais. Allez, on vous dit bye bye, nous on va faire dodo. Gros bisous. Bisous. À tout le monde. Bisous, bye bye. Bye bye. Coucou à tous, coucou à toutes. Alors, on est jeudi de l'Ascension. Donc aujourd'hui, c'est férié. Et je m'en vais avec mes parents à la plage. Hop. Alors, ça, c'est mon maillot. Je suis en maillot. Et là, je suis en train de faire des. Là, je suis en train de préparer des sandwichs pour partir. Ok, en fait, je pensais que j'étais en train de filmer, mais pas du tout. Donc, du coup, là, on va partir à la Pointe Marin, à Sainte-Anne. Parce qu'il y a une journée... il y a un festival qui s'appelle Festival des Yoles, et donc, il y a plein d'animations. Et donc, on va profiter de la journée... on va profiter du festival et de la journée là-bas. Pourrais-je vouloir une autre histoire? Un peu de toi et plus de brouillard. Si l'on demandait, je ne saurais pas pourquoi. C'est toi qui me fais vibrer. Penser que l'on est pour aimer. Super, super, super contente parce que je vais voir...
pas grand chose. Alors, j'ai changé de chauffeur, donc c'est mon frère. Fais coucou, mais essaye de pas nous mettre dans un trou. Vous aurez peut-être, je dis bien peut-être, la chance de le voir dans une vidéo parce que ça fait 5 ans qu'il m'a promis de faire une vidéo avec moi. Qu'est-ce que tu as dans ta main là? Du pain complet de Martinique avec du beurre de micelle de Martinique. Le trait avec le lait des vaches de Martinique et de la confiture de pommes d'eau de Martinique. Avec des pommes d'eau de Martinique, du sucre de Martinique et de l'eau de Martinique. Oui, mais c'est bon, on a compris que c'était de Martinique. Bon, pour le beurre, c'est là. On a tellement de vaches en Martinique. Bon, je reprends ma tartine. Bon, alors je vais goûter la confiture de pommes d'eau pour la première fois de ma vie. C'est bon, hein? C'est bon. En plus, avec le beurre, ça me rappelle un goût que je vais à manger. Voilà, après une bonne journée et avoir bien mangé tout ce qu'il faut, un bon lundi de Pâques comme il se doit, on finit la journée avec un petit thé, mais pas n'importe quel thé, un thé d'Atumo. Atumo, c'est une plante qu'on retrouve dans tous les jardins créoles à peu près, et c'est très bon pour nettoyer le foie. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce petit vlog. J'espère que ça vous aura plu. Passez un petit moment avec moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très 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 bientôt. Bye bye. Chaque coup mon cérébral, mettre volume, bouille tout un. Et j'allais pour nous décoller ensemble. Holiday, holiday, sweet.